Schéma les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et là, celle-là, c'est pas un RP, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué. Mais en fait, j'ai lancé le jeu parce que je voulais faire un RP. D'ailleurs, vous voyez le personnage juste en face, là, un petit personnage. Un personnage que j'avais connecté pour faire un RP. Et je me suis dit, wesh, il y a des trucs qui sont nouveaux. J'ai pas compris ce qui se passait. Là, il y avait des nouveaux logos, des nouveaux trucs qui popaient sur mon écran. Mais du coup j'ai relancé le jeu, je me suis dit je vais faire une vidéo mise à jour avec vraiment ma réaction à chaud parce que du coup je découvre dans cette vidéo, ce sera pas la meilleure vidéo découverte je suppose hein, parce que je me lance dans le vif du sujet comme as, mais déjà je lance, je vais pas cliquer sur jouer comme ça on peut regarder et on peut lire ce qui a marqué à droite sur mise à jour. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. Moi, je vous le dirai tout au long de cette vidéo. Mais en gros, on peut apercevoir qu'il y a marqué mise à jour, 6 avatars, saving slot. Ouais. Non, je suis trop contente. Non, sérieux, 6 avatars, saving slot. Non, faut que je vois comment ça fonctionne. Mais bon, pour ceux qui sont pas bilingues, en gros, c'est des enregistrements de tenue, je suppose, d'avatar, quoi. On peut enregistrer son personnage. Et il y a 6 enregistrements possible, donc on peut enregistrer 6 avatars, non mais sérieux. Customisable avatar animation, ça je sais pas trop, en gros c'est on peut customiser l'animation de l'avatar. Est-ce que c'est genre comme par exemple moi, je me tiens comme ça et on peut choisir comment on se tient, etc. J'ai pas trop compris, on va découvrir. Ils ont rajouté 100 visages gratuits. Et 100 avec un pass, donc bon on verra bien. Le problème moi avec le pass... c'est que je le fais uniquement sur mon compte principal. Donc en fait, voilà, si j'ai plusieurs comptes que j'utilise pour mes RP, c'est un peu chaud de payer sur chaque compte le pass pour avoir les visages, donc c'est un peu chiant, mais bon. Et apparemment, il y a un nouveau véhicule, New Premium Véhicule, donc ils le mettent au singulier, je suppose qu'il n'y en a qu'un seul. On a également, on peut enter idée, mais ça je crois qu'il y avait déjà avant, ou c'est moi qui me trompe, on peut marquer directement l'idée des vêtements que l'on veut mettre. Donc par exemple, ça serait, c'est assez cool parce que par exemple, si je vous demande de me mettre en commentaire des idées de vêtements, donc idée ID quoi, identifiant des objets que vous voulez que je mette sur un personnage pour un RP, genre je sais pas, vous avez votre propre personnage et vous voulez qu'il joue dans l'un de mes RP, bah vous pourrez marquer en commentaire... voilà, mon personnage, son idée, c'est ta 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 ti ta ta ta. Et moi, je fais un copier-coller, bim, je le mets sur Bookhaven et votre personnage pourrait jouer dans un de mes RP. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, par contre, vous allez avoir le tournis, là, si je reste comme ça. On va marquer sur jouer. Et qu'est-ce que ça donne? Alors oui, mon personnage est un peu chelou parce que, en fait, c'était le dernier RP que j'ai fait, c'était sur... bah, je vous spoil pas trop, mais je crois que c'est ma fille est gravement malade, un truc comme ça. Donc, j'avais besoin de changer un peu le corps et je l'ai déjà modifié, donc... donc bien évidemment, on va aller dans éditateur d'avatar, éditateur bien évidemment. Ici, Roblox catalogue ID. J'ai envie de mettre un truc au hasard, genre hashtag 100489. Et eh ben non. Ok. Ah oui, regardez, en bas à gauche, on peut enregistrer. Donc d'abord, je suppose qu'il faut faire la tenue et cliquer pour enregistrer. On va tester parce que moi franchement, et c'est masterclass ça, cette mise à jour, parce que c'était quelque chose que je reprochais énormément à Brookhaven, qu'il y avait d'ailleurs dans New Haven, on pouvait enregistrer, et c'était ça qui faisait la grosse différence selon moi. Pour moi, c'est un gros plus. Vraiment plus, ça me donne envie de refaire plein de vidéos, ces derniers temps j'en faisais moins, mais c'est parce qu'en fait mes filles, mes jumelles, elles sont malades en ce moment. Bon là, elles sortent un petit peu de la maladie, j'ai même été à l'hôpital une fois, et en gros, c'est difficile. Déjà qu'elles faisaient pas leur nuit avant, mais alors faire leur nuit quand elles sont malades, c'est... voilà. Ok, allons voir un petit peu, je parle beaucoup, les visages, donc ouais, je vois par exemple celui-ci, c'est un nouveau, il me semble que c'est un qui coûte en plus ultra cher, je crois, en Robux. Là, un autre visage, oh, je pense qu'il y en a, elles vont être contentes, il y a des beaux visages. Des visages, mais... celui-là est pas mal aussi. Non, il y a pas mal. Je trouvais que je commençais à faire un petit peu le tour des visages, mais c'est cool qu'il y en a des nouveaux. Un sweet. Oh, sympa celui-là aussi. Non, il y en a vraiment des sympas. Bon, je pense pas que ce soit le plus intéressant, les visages. Ah, ok. Donc, je pense que c'est ça, le truc d'animation. On va tester. Pourquoi il y a des personnages? Je comprends pas. C'est quoi? C'est genre le skin? Je comprends pas. Ok, non, c'est la tenue, ok. On va mettre celui-ci pour tester. Bah, ça, c'est un peu galéré. Là, je pense que c'est normal. On va tester un comme ça, un peu au hasard.
Qu'est-ce que ça change? J'ai l'impression que ça change pas grand-chose, à part le premier... Ah, voilà, là, ça change. On va essayer de marcher. Et je pense que la marche, c'est la même. Genre, en fait, ici, voilà, ça doit être ça pour marcher. Je pense que, voilà, ça, c'est pour sauter. Quand on tombe, quand on monte, quand on tombe aussi, je suppose. Ok, donc ça, je pense que c'est les animations de comment on se déplace avec l'avatar. Ok, donc c'est cool. C'est pas... Je pense que ça... C'est cool pour certaines personnes. Moi, c'est pas vraiment le genre de choses que j'utilise beaucoup. Peut-être que j'en utiliserai plus souvent, hein, maintenant que c'est là. Surtout qu'on peut enregistrer. Surtout. Ensuite, on va regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est enregistrer l'avatar. Donc, en fait, on fait vite fait le tour. Parce que finalement, à part les enregistrements, les nouveaux visages et les nouveaux véhicules, il n'y a pas grand-chose de plus, j'ai l'impression. Dites-moi s'il y avait autre chose, hein, et que j'ai raté ou que j'ai pas cherché. L'idée, là, ça m'intéresse. Faudrait que je regarde... Donc c'est limité aux vêtements, cheveux, chapeau, visage, etc. Donc bon, on va en tout cas... Et si je fais ça, ça va m'enlever aussi l'animation. Oui, ça m'enlève l'animation. Donc on va créer un personnage en mode, voilà, vite fait, bien fait. Voilà, ce visage-là avec un pantalon, je sais pas, on va mettre ça. Par contre, franchement, les gars, si vous avez une astuce, dites-moi en commentaire, parce que moi, je galère H24. En gros, je crois que j'ai utilisé un torse où il n'y a pas de haut. Mais en gros, à chaque fois, bah, j'ai un t-shirt ou un vieux truc qui pop. Je peux pas mettre une tenue haut et bas des pantalons parce que sinon il y a mon truc Roblox. Sur certains comptes j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y a pas de haut et que ça fonctionne, mais sur d'autres comme par exemple là, hein, c'est un peu chiant quoi. Je suis obligée de mettre un truc par dessus, mais bon du coup je peux pas l'enlever après et on peut pas l'enlever non plus d'ici. Donc voilà, si vous avez une astuce pour les hauts, dites-moi en commentaire, mais moi j'ai toujours pas trouvé. Attendez, on va mettre des cheveux. Il n'y avait pas marqué qu'il y avait de nouveaux cheveux, mais en même temps aux cheveux franchement on est bien. On est bien, il y en a tellement. Après, moi, je dis pas non, hein, s'ils en ajoutent un peu des cheveux roux. Je trouve que ça manque un peu de cheveux roux, là, sur Brookhaven. Et on va mettre ça. Voilà. Personnage, il est stylé, quand même. Il n'y a pas une meuf de Winx Club, là. On va tester d'enregistrer, on va voir comment ça fonctionne. On clique dessus. On met... on va l'appeler... je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'appeler Nathalie. Elle s'appellera Nathalie. J'enregistre. Saving slot 1. Ok, et ça marche comment? Merde, pas sur échappe. Ok, on va faire genre... Oh, je me suis trompée, j'ai remis mon avatar de base. Et comment ça fonctionne? Est-ce que je clique là et je mets ici comme ça? Et voilà. Et voilà. C'est ça qu'on veut voir sur Brookhaven, les amis. C'est ça qu'on veut voir sur Brookhaven. Et c'est cool. Mais du coup, je pense qu'on peut réenregistrer par-dessus. Par exemple, si je change, je mets ça. Allez, hop, bim. Ouais, non, là... On repassera pour le style. Non, en vrai, je trouve que ça passe, en vrai, le style nombril à l'air. Et on va l'appeler Nathalie du des favelas. Je sais pas, ça s'écrit comme ça, favelas. On enregistre et est-ce que ça a enregistré par-dessus? On teste. On va remettre ça. On met ici. On appuie sur vêtements. Je pense qu'il faut juste pas se tromper. Si j'appuie là-dessus, ouais, ça, ouais, voilà. Faut juste pas aller trop vite et pas cliquer sur la petite disquette parce que sinon, bah, au revoir tout ce que vous avez mis. Oh, je décède. Je décède en live. Oh, je vous remercie, Brookhaven, hein, vraiment, je vous remercie. J'ai pas mal trash talk Brookhaven ces derniers temps parce que ça me saoulait au niveau des mises à jour. C'était du vu et du revu dans le sens où ils remettaient toujours les mêmes mises à jour chaque année, genre Noël, Halloween, c'est toujours la même chose. C'est chiant. Ils peuvent quand même faire autre chose, surtout qu'en plus, je pense qu'ils manquent pas de thunes, hein, ces gens-là. Ils doivent brasser niveau passe, mais niveau amélioration du jeu, ça va pas aussi vite. Donc c'était un peu chiant et voilà. Et les mises à jour, pas ouf ces derniers temps. Donc celle-là, je mets un gros yes. J'ai quand même envie de checker les visages parce que ça reste quand même une chose que j'utilise beaucoup dans mes RP, les visages. Et ouais, genre celui avec les cœurs, c'est génial. Bon, là, on voit pas avec sa frange. D'ailleurs, attends, bah tiens, on va faire comme ça, on verra mieux. Les visages qu'avec la frange, ça gâche un petit peu. On voit pas grand-chose, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un visage que je risque de réutiliser souvent. Genre un peu en mode blasé, un peu voilà. Bon, celui-là, je risque pas de l'utiliser souvent, il manque une dent. qu'est-ce qu'il y a encore? Franchement... Ouais.
Il est sympa, mais le problème, c'est que vu qu'il y a un œil qui est fermé, ça peut être chelou. Ça peut être un visage que j'utilise régulièrement. Surtout que souvent, voilà, j'ai des petites répliques un peu troll, donc c'est un visage qui ira tellement bien avec ces répliques-là. Celui-là, il est sympa aussi. Celui-là, il est ok. Non, franchement, je valide cette mise à jour 100% et je vais fracasser la tête de ceux qui disent que c'est pas une bonne mise à jour parce que ça l'est vraiment. Et ça, c'est les visages payants. Donc, moi, j'ai déjà pas débloqué de base ceux qu'il y avait avant. Je sais pas si je vais les débloquer. Maintenant qu'il y a la sauvegarde des slots, alors il faut savoir les amis, dites-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous voulez une vidéo dans laquelle je vous explique comment je fais mes vidéos RP, dans le sens comment je fais pour avoir plusieurs Roblox ouverts, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel pour faire mon montage, quand je le fais, parce que sinon j'ai un monteur aussi qui m'aide, mais quand je l'ai fait moi, qu'est-ce que j'utilise pour mes miniatures, qu'est-ce que j'utilise pour enregistrer mon écran, comment je m'inspire pour mes scripts, etc, etc. Dites-moi en commentaire, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des vidéos Roblox qui regardent également mes vidéos. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et voilà. Ok, bon bah les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette mise à jour. Alors, je vois pas vraiment de changement. Je pense que c'était vraiment une mise à jour pour les slots. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je lirai vos commentaires avec plaisir, on peut débattre là-dessus également, même s'il n'y a pas de débat à avoir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end les amis, amusez-vous bien, et bah bonnes vacances hein, d'ailleurs à ceux qui sont en vacances. Il me semble que là il y a la semaine des vacances de la zone A, B ou C, A je crois ou C, je sais plus, je crois que c'est A. Est-ce que c'est la zone A qui est en vacances? Ouais je crois hein. Et après je crois que c'est la B, et après là c'est yes, 15 elle a appris l'alphabet, à plus.